Ça s'appelle Vendredi 13. Au mauvais endroit, au mauvais moment. C'était eux, c'était nous. Au mauvais endroit, au mauvais moment. Ils étaient, nous étions. Sortis, vivre un peu. Ils sont, nous sommes. Au mauvais endroit, au mauvais moment, les mots me manquent. Ils étaient, nous étions sortis, vivre un peu, ils en sont, nous en sommes morts. Frappés de plein fouet par la folie et la violence aveugle, des hommes mitraillettes et des hommes grenades, bombes humaines, assoiffés de sang. Ils étaient, nous étions, ils sont, nous sommes, ces gens innocents. Beyrouth, Kigali, Marwa, Bangui, Palmyre, Le Bardo, Maïdougouri, Mumbai, New York, hier et à Paris, aujourd'hui, capitale de la douleur. Nous les continuerons, nous vivrons, nous aimerons plus fort. Pour eux, pour nous, nous rêverons. Et nous nous éleverons plus haut encore. Pour eux, pour nous, nous chanterons et danserons encore. Nos poèmes d'urgence, hymne à la vie, à l'amour, face à la guerre et la mort. Nous voici, mais pas brisés. Pour eux, pour nous. Pour eux, pour nous. Merci. Ma motivation pour venir à la lecture chantée, c'est tout simplement la lecture. Et ensuite le chant. Je trouve qu'il est temps de remettre la lecture au goût du jour, surtout pour nos enfants et encore même pour nos parents et pourquoi même pour nos grands-parents. La lecture se perd, donc ne la laissons pas mourir. En fait, moi avec les filles, ça n'a jamais été une histoire à deux. Au début, c'est cool, on s'est dit on va écrire une histoire à Dieu. Mais à la fin, ça se termine toujours par une histoire d'adieu. La première, je lui ai dit, excuse-moi ma biche, tu sais, t'es le genre de fille à qui on dit pas iche. Dès que je t'ai vu, mes yeux se sont écarquillés. Comme une abeille, j'ai été attiré par toi, jaloux jonquille. Là, elle me regarde, genre elle s'en fiche. Je prends peur et puis je me dis que c'est fichu. La main sur sa joue, je la caresse et je kiffe. Sa main sur ma joue, sa caresse c'est une gifle. Avec les filles, ça n'a jamais été une histoire à deux. Mais un jour, je mettrai fin à cette histoire d'adieu. Je trouverai celle avec laquelle je vais écrire une histoire d'adieu. Pour l'instant, c'est pas facile. Une histoire d'adieu. Écrire, c'est pas facile. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jimmy. Pour ceux qui me connaissent, bah, je m'appelle Jimmy. Le concept, c'est la lecture chantée, de la poésie en chantant, c'est pas mal. Et parce que voilà, sans les mots, ça passe plus. Donc du coup, moi, ça me plaît bien parce que ça nous permet un peu de voir ce que ça fait avec la mélodie. On oublie un peu les textes ou alors on se préoccupe de la mélodie. Et pour ceux qui n'aiment pas trop les textes, et pour ceux en fait qui aiment plus les textes, ils vont laisser la mélodie et se préoccuper des textes. En fait, je crois qu'au final, chacun trouve son compte. Donc du coup, moi, pour moi, c'est cool. Merci. Que court la race humaine si rien n'est fait. Tous ensemble, juste un geste pour lutter contre la pollution de l'atmosphère. Nous consommons, gaspillons énormément, tandis que seront en manque d'essentiels éléments. Nous polluons l'atmosphère sans s'inquiéter des séquelles. Eux qu'auront-ils comme protection dans un siècle? Si chacun d'entre nous pouvait rien que faire un geste, chaque jour diminuerait les gaz à effet de serre. Si nos envies et caprices laissent place à nos besoins, tous seront satisfaits sans épuiser la terre.
conscience du mal-être que couvre la race humaine si rien n'est fait. Tous ensemble, juste un geste pour lutter contre la pollution de l'atmosphère. Merci. Mon aise, pourquoi te gêne-t-elle autant? Qu'y a-t-il d'absurde à se sentir libre et heureux? Après tout, je ne fais de mal à personne. Mon bonheur n'est complet qu'une fois le tien assuré. Alors quoi? Mais quoi donc? Comme un papillon, je veux voler, virevolter au gré du vent. Il est si grand le jardin de la vie. Laisse-moi le découvrir, le parcourir et ma soif assouvir. Est-ce interdit? Si oui, par qui? Dis-moi. Mon aise, mais pourquoi te gêne-t-elle autant, mon aise? Butine, butine, mais butine donc. Mais plutôt que d'enjouir, toi, il t'a offert le jardin de la vie. Mais toi, tu choisis d'en souffrir. Ah, dis-moi quoi d'en mourir, mais de grâce à la vie, laisse-moi m'ouvrir. Et en silence, laisse-moi, 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 laisse-moi. Laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi en profiter. Et toi, et toi, suis ton étoile. De lecture, faire connaître nos auteurs et valoriser notre culture aussi. Voilà. Des sons. Comme les sous de César, sauf que c'est moi des sous, c'est pas César. Je suis gentil, je suis belle, comme toi. Et si tu me demandes que je le fais exaucer. Mais la magie, c'est pas comme la potion. Merci.